Salut à tous. Donc, avant que la vidéo commence sur Evoland, le cinquième épisode, je crois. Ouais, c'est ça. Le cinquième épisode. Je voudrais vous dire que normalement le vrai cinquième épisode, sans faire exprès, j'ai fait le rendu, j'ai cru que tout était bon. Du coup, j'ai supprimé le dossier avec les fractions de vidéo avec Fraps, hein, vous connaissez. Et du coup, je l'ai vidé, j'ai vidé la corbeille et tout. Et en fait, j'ai regardé après, bien sûr. Je sais pas, d'habitude, je regarde toujours avant, mais là, je sais pas pourquoi. J'ai dû partir un moment où je sais plus quoi, ce que j'ai fait. Du coup, j'ai regardé après. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un décalage niveau son. Parce qu'en fait, j'ai fait une ellipse et du coup, le son il était un peu en décalé. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais supprimer ça. Et j'avais complètement oublié que j'avais supprimé le dossier avec les fractions de vidéo. Donc du coup, j'essaye quand même de récupérer le dossier, mais je pense que je l'ai supprimé un peu trop. Il y a un peu trop. Il y a pas assez longtemps. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé durant l'épisode où j'ai supprimé? Bah, en fait, tout simplement, j'ai galéré pour une énigme. Donc du coup, j'ai dû faire une ellipse. Mais c'était une énigme, enfin c'était pas très passionnant, mais par contre dans cet épisode-là, vous allez voir, je suis dans un donjon. Bon bref, en tout cas c'est pas le. J'ai de la chance, c'est pas l'épisode le plus intéressant que j'ai malencontreusement supprimé. Donc je suis encore désolé. Mais bon, en tout cas, vous n'avez pas loupé grand-chose. Si j'ai récupéré un arc, voilà, c'est tout, c'est le plus important de l'épisode. Mais vous avez quand même l'épisode où. Cet épisode-là, on va beaucoup évoluer niveau graphisme, niveau RPG. Vous allez voir, le jeu est devenu magnifique. Bref. Désolé encore, je vais vous laisser avec la vidéo. Allez, bonne vidéo à tous. Et je vous dis bah, à tout de suite. Et salut à tous, on se retrouve pour le sixième, je crois. Épisode d'Evoland, donc on a eu une partie de l'amulette. Donc du coup, normalement, ça devrait pouvoir marcher. Parfait. Hop là. Hop. Hop. Parfait. Donc du coup, on devrait. Tiens. Ça fait quoi ça? Ça fait rien. Et ça. Génial. Ensuite, on peut aller par là, mais on va aller déjà par en bas. Donc là, on peut rien faire. Parfait. Donc là, on a un cœur, ok. Donc là, c'est pour redevenir normal. Oui, mais c'est vrai qu'on peut pas. Hop, un autre cœur. Ouais. Donc là on peut rien faire. Ok. Là, ça change quoi là? Oui, enfin niveau décor. Oh, on y a des arbres. Oula. Regarde autour de toi. Tous ces arbres morts. Le mal a commencé à corrompre le bosquet sacré. Nous devons vite rentrer à Ogai pour parler à mon oncle. Nous devons trouver la deuxième moitié de l'amulette avant qu'il soit trop tard. Non, pas dans ce sens. Je vais voir ce que ça a fait là. Ok, il y a un petit arbuste. Ouais. Mais du coup, ouais, s'il y a un chemin par là, autant y aller. Hein. Oula. Ok. Je sais pas où on est. D'accord, tout à fait. Aïe. Tiens. Tiens. Spam clic. Allez, tu es là. Allez, vas-y, vas-y. Et boum. Voilà. Ouais. Dark est niveau 6. Zoga est niveau 6. On est à où là? Ah, sérieux? Oula! C'est quoi cette tortue de malade?
plus une aise? D'accord. Toi, je te conseille. Eh ben, elle est immortelle. Allez, meurs! Voilà. Maintenant, on va pouvoir spam click. Hop. Parfait. Parfait. 40, ok. Donc là, on est à Ogai, je crois. On va enregistrer, on sait jamais. Voilà. J'ai bien lancé le chrono. Ouais, c'est parfait. Donc là, elle veut qu'on aille voir son oncle, si j'ai bien compris. Salut toi. Hey. Je te parle. Ah voilà. Bien joué, vous avez la première partie de l'amulette. Vous devez maintenant aller aux ruines de Sarudznak pour trouver la deuxième. Vous trouverez les nuits au nord-est. Nord-est, je sais jamais. L'est. Nord-est. Je présume que c'est à gauche. Je sais pas. On va partir du côté de la. De l'infirmière. Enfin, celle qui est un peu spéciale là. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une infirmière. Arrête de tourner en rond, tu me stresses toi. Surtout dans un puits quoi. En attrapant des papillons. Ah oui, c'est bien une. C'est bien une infirmière. Au nord-est. Nous, on vient de. Oula, un Folgatos. Ouf. On commence à prendre un peu cher. Hein. Ça commence à nous soigner. Mais elle fait rien, elle sert à rien. Meurs. 200 glisse. Ah, c'est peut-être par là. Oh. C'est chiant. C'est chiant. Mince. Sérieusement? Oh mais vous êtes sérieux? Ils les ont tous ratés. Ah oh, mince, jamais la bonne touche que je fais. Déjà un de moins. Désolé, je suis en train de choper un truc. Voilà. Parfait. Ouais. Ouais. Hop là. 7. Pas beaucoup, c'est vrai qu'elle fait pas beaucoup de dégâts elle. Puis elle a pas des sorts non plus extraordinaires. Hop. Parfait. Donc, présume que c'est par là. Les ruines de je ne sais quoi. Bah oh, j'ai bien choisi. Ah, déjà il y a déjà un coffre. Wow. Oh mais moi je veux Anthony moi. Enfin je veux Dark du moins, c'est pareil. On peut rien. Ah qu'elles m'ont fait peur elles. J'ai quelques soucis là. Je lag. Je prends cher. Ouf. Ah ouais, c'est bien fait. J'ai des ralentissements par contre, c'est un peu galère. Ah, il y a un truc là. D'accord, ça sert strictement à rien. Un coffre. Combo. Oh la brèche, j'ai pris tellement cher. Bon,
tiens, in your face. Ensuite, là il y a un dada d'araignée. Non. Ouf. Ah. Casse-toi. Ah mais sérieusement, j'arrivais pas à les toucher. Ah, mais en plus c'est tout con comme comme approche. Quoi? C'est quoi ça? C'est nouveau? Ah ouais, c'est nouveau. Oh, c'est bien fait. J'aime bien. Je crois qu'on les one shot. Ralentissement de malade. Hop là. Barre de vie. Oh, c'est génial ça. Oh, c'est totalement énorme. On peut pas l'équiper? Non, bah la preuve. Ah ouais, c'est totalement énorme. Oula. Lumière ambiante. Intéressant. Même si le jeu commence à laguer un peu. Oula. C'est vrai qu'on prend moins de dégâts, c'est déjà bien. Mais je lag de plus en plus. On a gagné quoi? Bracelet de guest star. Ok. Ah, là, il y a des sous là. Ouais. C'est cool ça, le. Là, ça en dirait vraiment un RP. Ah! Ok, ils sont moins durs, mais ils font un peu plus mal. Les lags. Oula! Me casse-moi! Trop de monde ici! C'est tellement grand! Je sais pas où je vais. En tout cas, j'y vais. Je sais pas où je suis là. Ok. On va raser du côté des murs, du côté gauche. D'accord, je suis revenu sur mes pas. Bien sûr, merci. Enfin, je crois. On va voir ça. Bah ouais. Je suis revenu sur mes pas. On va toujours suivre le côté gauche. Parfait. D'accord, ça c'était pas voulu. Ça ne gêne pas beaucoup, hein.
En tout cas, on a déjà un peu plus de vie. Enfin, ou alors c'est l'impression. Suivre tout le temps le côté gauche. Allez! S'arrêtera jamais. Oh, cool. Bon, on va aller par là du coup. Elles sont résistantes, mais elles font pas beaucoup de dégâts, elles, c'est déjà ça. Toujours le côté gauche, on a dit. Ah, ça descend. Ah, un coffre, c'est bon signe. Lumière dina. Ouh. Ça commence à laguer de plus en plus, c'est parfait. Comment on fait pour. On peut pas changer, d'accord. Merci bien. J'espère que je loupe rien. Parfait. Eh ben, on a c'est carrément devenir un vrai Dragon Quest. Hein. Oh, on a atteint les 10 étoiles, parfait. Pas beaucoup, mais c'est déjà bien. Donc, moi je dis cul-de-sac. Ouais, déjà on peut pas passer. Ouais, endroit qui sert à rien, quoi. À part à se récupérer une étoile. Bon, on va suivre la gauche. Je pensais pas à une gauche comme ça. Oh, c'est cool ça, il y a une carte. Ah, c'est vraiment devenu énorme le jeu. Ah, ça veut dire bientôt à la fin. Avec la carte, ça va être plus facile. Carnage, des compliments bien mérités pour chaque petite tuerie. Ah, ça c'est cool comme dans League of Legends. Multikill. Ah, c'est totalement énorme. Ah, ça devient vraiment un vrai jeu, quoi. Quand on voit au départ où on commençait avec rien, avec les graphismes tout moisis, bah là on finit avec un jeu en. Enfin, fini, c'est pas fini, mais le jeu est devenu magnifique. Oula, je prends un peu cher là. Toi. Hey.
Eh ben. Wow. Désolé si je parle pas beaucoup, mais là, je suis en guerre là. Et comme je suis tout seul, c'est un peu galère. Wow. Dégage-toi. Et si on rushait? Dégage-toi. Wow. Faudrait un peu de vie là, s'il vous plaît. Je veux pas dire, mais une étoile. Bon, tout ça pour ça, c'est pas grave. Dans cet épisode, j'ai pas parlé beaucoup, mais c'est une bonne raison. Enfin, c'est pour une bonne raison. Il y avait beaucoup d'action. Il manquerait plus qu'on puisse casser les pots. Ça pourrait être énorme. On va longer. Pour éviter les ennemis au maximum. Je viens de dire quoi? Bon, ça fait quand même de la vie, mais bon. J'avais pas vu qu'il y avait un gros truc en plein milieu. Légendaire. Bah merci, c'est gentil pour ce compliment. En tout cas, on aura gagné des sous. C'est sûr, hein. Bon, je suis sûr qu'il y aura. Il y aura des mobs. Quand même, sinon ça serait pas marrant. Des petits drapeaux. Alors, oula, ah, un point de sauvegarde, ça fait du bien. Ah, un point de sauvegarde. Bon, 21 minutes, on va quand même pas se laisser là. Ce serait pas marrant. Je me demande si c'est. Non, parce qu'il y a l'arbre. Je sais pas si vous les ressentez, vous les lags, mais. En tout cas, moi je les ressens bien. Ah. Ça veut dire quoi? C'est la tête de mort. Eh ben, il y a masse de mobs là. Pouf, alors là, c'est quoi ça? D'accord. Totalement inutile. Ouais. Du coup, comme on a tout déblayé. Déblayé, oui, bien sûr. Déblayé. Faut aller sauvegarder. Et peut-être qu'on aura. Au prochain épisode, ça sera peut-être déjà fini. Enfin, déjà. Ça a quand même duré longtemps, hein. Ouais, 8 épisodes comme j'avais prévu. En fait, je sais plus combien on en est là. J'en sais plus où combien on en est. Tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas fini non plus. Parce que c'est pas l'arbre, je ne sais plus son nom.
Attention, il y aura un boss, si j'ai bien compris. Ou alors on va mourir. Non, c'est pas dans le bon sens. Il y a un boss. Oups, j'aurais peut-être dû vous prévenir. Ah non, j'aurais peut-être dû pas l'ouvrir. Le maître m'a ordonné de vous arrêter. Il contrôlera bientôt le monde et je serai le chef de ses armées. Ou bien est-ce que c'était d'être le monde? Bref, prépare-toi à mourir. What the fuck? Je sens rien, je sens rien. Bourrin Man! Lâche-moi, lâche-moi la grappe, lâche-moi la grappe. Lâche-moi, lâche-moi. Ah, lâche-moi. Pourquoi je devais pas me soigner? Ah, si. Cœur. Ah! De la vie. Non. Ah non, je crois que j'en ai pris une. Bon. On va galérer. Enfin, je vais galérer. Là où c'est un creeper? Creeper, si vous êtes... What? Et les creepers? D'accord. Pourquoi pas? Ah, je les avais oubliés. Enfin, en fait, non, normalement, il devrait pas y être. Dégage-toi! Possible ça d'être aussi chiant. Boum. 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 Merci. Ouais, le boss, il gagne galère. Hein. Ouais. Comme dégâts. Ah. Ah mais je prends tellement cher. Comment tu veux le battre? C'est pas possible.
crois qu'ils perdent la vie tout seuls en fait. Non. Oh, il m'a touché là. Ah mais putain. Bon, écoutez, on va se laisser ici. Je vais essayer de trouver un moyen de battre ce boss parce que pour l'instant j'en vois aucun. Bref, donc bah je vous dis à la prochaine pour la suite de Evoland. Allez. Chaud tout le monde.